Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire toutes les amulettes de ce niveau. Donc c'est le marché en fait. On va faire le marché. Donc, hop, juste en ok, d'accord. Donc pour le marché, on va récupérer toutes les amulettes d'abord du niveau, puis après on fera celles qu'il y a dans les missions, parce qu'il y a certaines missions, il y a des amulettes. Non, en fait je vous ai dit n'importe quoi, d'abord il faut qu'on fasse les missions, c'est beaucoup mieux. D'abord on fait les missions, puis après on récupérera ce qui reste, ça sera plus simple pour vraiment être sûr de bien avoir comme il faut ce qu'il faut. Voilà, donc on va commencer par attention au danger, donc je sais pas où aller. Et donc pas celle-là. Quoique si, on va faire celle-là. Ok, voilà, on va faire celle-là. On va faire celle-là en premier, allez, on est des fous. De toute façon, c'est pareil, hein. Voilà, donc on fait faire pencher la balance. Donc celle-là, il n'y a pas vraiment d'amulettes dedans. Mais on récupère quand même des amulettes qu'on peut récupérer autrement. Mais bon, c'est plus facile de récupérer en étant dans la mission. Donc moi, je vous dis à tout de suite pour récupérer les amulettes. Il y en a quelques-unes dedans. Donc c'est parti. Souviens-toi, remplis la balance jusqu'à ce qu'elle soit prête à basculer. Voilà, donc là c'est attention au danger qu'on va faire. Donc on va récupérer toutes les amulettes qu'il y a là dedans. Donc en fait dedans il y a 7 amulettes à récupérer. Donc il y en a 7, voilà. Que je vais vous montrer où elles sont, tout ça. Donc en fait si vous les récupérez pas, après vous pourrez plus les récupérer. Donc vous aurez le démon tout simplement, hein. Vous pourrez pas avoir toutes les amulettes du jeu. Donc vous pourrez pas avoir le succès, donc ça serait un peu con. Voilà, donc on va faire ça tout de suite, c'est parti. Attention aux homards, ils peuvent être dangereux. Non, laisse le chariot ici. Là, ouais, voilà. Donc quoi, en fait, non, c'est bon. Il suffit d'aller sur les cartes et vous êtes sûr d'avoir ce qu'il faut. Voilà, donc j'avais pas bien compris en fait. J'avais pas bien compris. Donc il suffit de, voilà, vous allez ici, vous récupérez tout ce qu'il y a sur les cartes et en haut, et vous verrez, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, on va faire la mission. L'énigme du démarreur. Ok, d'accord. Donc on va récupérer ça, c'est parti. Enfin, on va récupérer les amulettes, voilà. Donc c'est parti, à tout de suite pour les amulettes.
Allez, tape fort sur le bouton. Ça pourrait faire démarrer le tapis. Ah, donc là, on va se faire rouleau. C'est quoi déjà? Rouleau à pâtisserie. Ah, enfin, on s'en fout. Vous savez lire. Et donc, du coup, on va se faire ça. C'est parti. Ah, donc là-dedans, il n'y a pas d'amulette. C'est ça qu'il faut savoir. Mais je suis obligé de la faire pour avoir l'autre mission où il y a des amulettes. Ouais, donc en fait, on va récupérer 70 amulettes pour pouvoir faire la dernière mission. Ah, donc celle-là. Ah, donc moi je vous dis tout de suite pour avoir débloqué 70 amulettes. C'est parti. Donc là on va se faire un défi. Voilà, donc là-bas c'est le début là où on apparaît. Donc après on vient ici. Puis après on vient vite là. Hop. Du coup on va se faire ce défi, c'est parti. Voilà, donc il est pas très compliqué. Ça prend 2 secondes. Hop. Voilà, donc quand c'est pas très compliqué comme ça, on en profite. Hein. Voilà, hop. Donc c'est super cool quand c'est facile comme ça, moi j'aime bien. Ouais, c'est plaisant quoi, t'es là, tu fais ton petit truc tranquillou. Voilà, donc c'est parti, donc on va essayer de trouver un autre défi à faire. Et puis du coup, je vous dis à tout de suite, c'est parti. Voilà, donc là on a eu le succès là. Donc il faut monter ici, hein. Comme ça, hop, hop. Je peux venir ici tout simplement, voilà. Voilà, donc bon, un autre succès. Donc j'ai repéré le tas de pastèques au marché. Voilà, donc c'est ici, il est là. Donc là, c'est le début là-bas, et puis après vous venez ici, et puis voilà, vous avez pastèques. Donc voilà, donc ça va, c'est pas très compliqué à faire. Hop, une de plus. Avant de cuisiner. Et une de plus. Et hop, et un autre succès. Ah, donc j'ai repéré cet endroit et en fait donc c'est pas bien compliqué pour le trouver. Donc roulant. Ah, donc c'est parti, on va on va faire un autre défi. Ok, donc c'est parti. Ouais, voilà.
ton jeu qui est de la merde. Et voilà, bim, on récupère 10 amulettes. Du coup, moi je vous dis à tout de suite pour le troisième défi. Voilà, donc c'est parti, à tout de suite. Et ben, il était pas très loin. Donc on a fini là-bas au niveau des bananes, là au niveau de... au fond là-bas il y a le truc, le tapis roulant. Et donc c'est parti, on va se faire ce défi là. Comme ça on aura fini. Génial. Il fait peur le tout. Parti. Et voilà. Donc on a toutes les amulettes et on a aussi tous les... on a aussi les trois missions au marché, voilà. Bon bah c'est bon ça. Ouais c'est parti, on... D'accord, ça a quitté tout seul. Donc on va faire la mission qui est là-haut, c'est parti, à tout de suite. Voilà donc du coup, maintenant que j'ai réussi à avoir les 78 amulettes... en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans ce niveau là il n'y a que 96 amulettes récupérables. Sinon après il faut le récupérer à un autre endroit que je vous montrerai plus tard. Enfin en gros il faut récupérer dans la cuisine déserte en faisant une certaine mission, voilà. Donc du coup là-bas il y en a deux que j'arrive pas à récupérer, mais bon ça on s'en fout, donc c'est parti, on va faire la mission. Voilà, donc c'est pour ça que j'en ai que 93. Ah, donc là pareil, voilà, donc on utilise la bouche du pot, tu aurais repéré, voilà la bouche du machin, ok. Voilà donc là pareil on utilise le même procédé là que dans les égouts. On fait le glitch là où en fait on saute et puis on appuie très très vite pour essayer de sauter encore plus haut que d'habitude. Donc voilà, donc là on fait le même procédé, hein, on se met sur la pancarte là où j'étais, et puis du coup on fait le même procédé. Et comme ça au moins on peut récupérer la dernière maintenant, quoi. Parce que je sais pas comment on fait sinon, donc je vais voir comment on fait, et puis je vous mettrai ça. Je vous montrerai comment on fait pour récupérer la dernière. Donc du coup maintenant on va récupérer celle qu'il y a dans la mission. Ah merde. Putain, chier là. Oh, tout de suite, te calmer. Donc on va récupérer celle qu'il y a dans la mission. Mais putain, il m'a même pas touché, ta mère la chienne là. On va récupérer les 4 amulettes, les dernières 4 amulettes qui nous restent, qui est dans la mission truc dans la cuisine déserte. Donc c'est parti, on va faire tout ça et puis bon voilà. Tout de suite. Voilà, donc du coup en fait faut qu'on fasse glisse petit rat à glisse, donc on va dire la dernière mission de la ville déserte, enfin de la cuisine déserte. Donc c'est plus ou moins la dernière, donc c'est l'avant-dernière ou la dernière, je sais plus. Mais en tout cas moi je la fais en dernier, donc c'est parti, on va se faire ça et comme ça on va récupérer les 4 dernières amulettes qui nous manquent dans le marché, voilà.
glisse jusqu'à la et on va récupérer la dernière amulette et on va avoir un max de succès. C'est parti, succès. Allez, 2 pour 130G les gars, attention. Voilà, donc j'ai récupéré toutes les amulettes du marché et j'ai récupéré toutes les amulettes du jeu. Et ouais, ça c'est bon ça. Donc du coup après bah voilà, on doit terminer toutes les missions et tous les mini-jeux, ça sera plus tard. Et il y a juste ça que je sais pas du tout où c'est. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Ah oui, il tombe nickel quoi. Voilà, on a terminé toutes les missions. Ça c'est bon ça. On a fini le jeu quoi. En cuisine, les possibilités quoi, sont infinies. Ah, donc c'est comme ça qu'on l'a su. Ok, bah voilà, bah y a plus qu'à finir tous les mini-jeux et on a fini le jeu les gars. Putain, c'est bon ça. Suffit de finir tous les mini-jeux et on a fini. Ok, donc mission terminée. Pas de soucis. Ah, donc du coup après je me ferai les mini-jeux. Bon bah on a fini le jeu, qu'est-ce qui se passe quand on finit le jeu? Je me demande bien ce qui se passe. Chargement est tellement long. Les plats sont à toi maintenant. Retourne vite à l'égout pour voir ce qu'ils contiennent. Donc c'est tout quoi. Ouais, tu reviens là et puis c'est tout. Ok, bon bah on est content, on a fini le jeu, voilà. Ah, j'espère que ça vous aura plu, toutes ces missions, tous ces machins, tous ces mini-jeux, tous ces amulettes, tout ce bordel, enfin bon, tout le jeu à 100%. Donc j'ai regardé sur internet, il n'y a personne qui a fait le jeu sur Xbox 360, mais alors personne chez personne. Et ouais, donc du coup ça permet quand même de pouvoir une aide pour ceux qui aimeraient quand même finir ce jeu et qui savent pas forcément où sont les choses. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu tout ça et puis du coup moi je vous dis ciao et puis bah une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.